un jour, qu'il était au restaurant, mon oncle engageait la conversation avec le client d'une table voisine. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un chef de cette entreprise et il lui a remis ses coordonnées. Et mon oncle me les a transmises sachant que j'étais au chômage. Je me suis dit « pourquoi pas ?» et je me suis rendu auprès d'une conseillère emploi pour rédiger mon CV et l'envoyer. L'entreprise a réagi rapidement à la réception de ma candidature. Environ une semaine plus tard, ma femme recevait un coup de fil du patron qui devait procéder à un engagement urgent. J'ai reçu un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Nous avons échangé, j'ai visité l'atelier et cette entreprise m'intéressait. Le patron m'a alors dit qu'il fallait commencer dès lundi et j'ai accepté. Il s'agissait d'un intérim de 2 ans, suivi d'un contrat Activa de 2 ans. Et je travaille ici depuis lors. La Nitruration est une société de traitement de surface des métaux. C'est une société de service. Elle existe depuis 1940. Je dirige l'atelier. Au niveau chef d'atelier, au niveau rentabilité, production, je m'occupe de tout ce qui est qualité, de toutes les qualifications à faire pour pouvoir travailler pour l'aéronautique. Travailler pour Airbus, pour Bombardier, pour Boeing et toutes ces sociétés d'aviation. Au départ, nous avons reçu un curriculum vitae de Tony. Je ne savais pas du tout qu'il venait par son nom, comme il l'a dit. On a reçu son curriculum vitae qui a interpellé la direction et moi-même. Par sa simplicité et aussi par sa motivation, il n'y avait pas de... Enfin, on aurait dit un curriculum vitae d'une personne normale, sauf qu'il indiquait qu'il était sourd, quoi. Alors, on l'a contacté. Tony est venu là pour une interview. Ça s'est très bien passé. J'ai commencé le lundi sans avoir jamais exercé ce type de travail. La responsable m'a confié un poste en m'indiquant la procédure. J'ai travaillé au sablage. Ensuite, elle m'a confié une autre tâche. Puis une troisième. Et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. La responsable a apprécié mon travail. Elle a même ajouté que j'avais des mains en or. Depuis lors, mon travail se passe bien. Au départ, il a très vite pris connaissance avec les machines où il devait travailler. Il travaillait déjà très précieusement. Ensuite, on l'a mis à d'autres traitements. Il a très vite pu changer de machine très rapidement, sans rester longtemps. Généralement, on reste 3 mois, 6 mois une machine avant de changer de machine. Et sur les 3 mois d'essai que Tony a réalisé, il avait fait 3 machines en 3 mois, quoi. Ici, je travaille au sablage. Mais il y a aussi le travail au bain chimique. Et d'autres postes encore. J'adore travailler dans cette entreprise, c'est très varié. C'est ça qui me motive. C'est une machine qui demande énormément de soins d'entretien. Et Tony doit la laver tous les jours lorsqu'il change de sable, d'ingrédients pour sabler. Parce que quand il fait de l'aluminium, c'est un certain sable. Quand il fait du titane, c'est un autre sable. Et entre les deux, il doit la laver. Si je mets un autre, je le sais, ils ne sont pas assez soigneux les autres que pour avoir vraiment le réflexe de le laver à chaque fois. Oh, c'est beau pour une fois, et puis c'est beau. Puis moi, j'ai toute la machine qui est calée. Donc là, on peut appeler le technicien. Il vient de France, on est en panne 3 jours. Plus les frais que ça va coûter de faire venir quelqu'un de France et tout ça. Mais Tony, lui, le fera. Il arrêtera, il videra sa machine, il la nettoiera à fond, il prendra le temps, il fera tout à neuf. Donc moi, la machine, elle ne tombe jamais en panne, quoi. Et c'est une machine que tout le monde a des ennuis avec, mais moi, je n'en ai pas. J'avais l'habitude de faire le shampoing et la mise en plis de ma mère. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de me proposer de faire la coiffure. L'idée me plaisait et j'ai suivi un enseignement en alternance à l'école de coiffure des Peter et à l'IROV, pour les sourds.
J'ai eu mon diplôme et je me suis retrouvé au chômage. Alors, j'ai consulté les offres d'emploi de coiffeur dans les journaux. Quand ma mère téléphonait à des employeurs pour s'assurer qu'ils cherchaient à engager quelqu'un, elle précisait que j'étais sourd. Les patrons acceptaient de me recevoir, mais j'avais beau laisser mes coordonnées, ça en restait là. Ils ne reprenaient pas contact. J'ai fait pas mal de démarches similaires. Finalement, même si ma passion première restait la coiffure, j'ai été découragé par les critiques liées à ma surdité. Les contacts et la communication avec les clients étaient difficiles. Maintenant, je travaille dans cette usine et j'aime beaucoup mon métier. Il a fait une évolution assez fulgurante dans le sens où il est passé très vite sur le traitement de pièces aéronautiques pour lesquelles on a des contrats et où les personnes doivent être qualifiées. On avait même pensé le mettre à un traitement pour un traitement non destructif, mais là, je vais dire qu'on ne peut pas parce qu'ils interdisent que ce soit des personnes sourdes. On devait absolument avoir des personnes entendantes. On avait mis pourtant sur les appareils, vous pouvez voir, des lumières qui clignotent, mais ça n'a pas marché, quoi. On n'a pas pu le faire. Ma responsable nous a présenté et elle m'a dit si tu veux bien t'occuper de Tony, dans le sens où dans ma famille j'ai une cousine qui est malentendante, qui a épousé un malentendant. Donc j'étais déjà habituée, quoi, je veux dire, parce que au départ les gens sont un peu timides par rapport à ça, parce qu'il faut être assez expressif, bien articulé. Donc ça bloque un peu les gens. Tandis que moi, j'avais l'habitude, donc moi ça ne m'a pas choquée du tout. Ça m'intéressait aussi d'apprendre le langage des signes, il m'apprend les petits trucs, je commence à parler doucement, donc c'est impeccable. Avec mes collègues, on communique en s'aidant de l'écrit et de la lecture labiale. On parvient à des échanges simples grâce à l'expression et à l'humour aussi. La communication est différente d'une personne à l'autre, et on ne peut pas parler de communication approfondie, mais certains viennent vers moi et cherchent à communiquer, et on y arrive. D'autres ont plus de mal à s'exprimer, mais ça ne pose pas de problème. Après l'épisode de ce matin, en tout cas une troisième grève sauvage en une semaine, de très nombreux navetteurs. Tony, quand il est arrivé, on s'est un petit peu demandé comment ça allait se passer, de savoir si on allait bien s'entendre ou si ça allait aller, quoi. Et c'est venu de lui-même, en fait. Il a commencé à venir vers nous, à essayer de poser des questions à sa façon, et nous, on essayait de répondre du mieux qu'on pouvait. Ça a facilité les choses. Il y a toujours la chose de savoir si, avec les appareils, tout ça, si c'est pas dangereux pour lui ou... Par exemple, Clark, je me demandais un petit peu comment j'allais faire pour qu'il voit que j'arrive sans le blesser ou quoi. Donc on a trouvé la solution d'allumer les phares pour voir qu'on arrivait. Et en fait, ça ne change rien, quoi. Le fait qu'il soit malentendant ne change rien pour nous. On s'entend bien comme si c'était une personne entendante, quoi. Et voilà. Je travaille avec un entendant, un Marocain. On communique vraiment bien entre nous. Il signe un peu, il mime... Et on blague. C'est une belle amitié. On est quand même une société qui est polyculturelle ici. J'ai des personnes qui ne parlent pas bien le français, avec lesquelles j'ai toujours pu m'exprimer, même si on dit que je parle un peu chinois, quoi, et que je parle petit nec, voilà. J'inverse les lettres, toi manger midi, ou voilà, des choses comme ça, mais je n'ai jamais eu de problème parce que les gens parlent turc. Et il y en a qui viennent de Turquie et qui ne savent pas parler le français, ben je me débrouille avec eux. Donc je me disais bien qu'avec un sourd ou quoi, ça allait bien aller. Et voilà, donc... Et les gens chez moi ont tout de suite fonctionné avec lui. On n'a jamais imaginé ça, non. Et puis je savais que j'avais une personne à l'intérieur qui savait un peu parler cette langue, quoi. Oui. Et en effet, ça se passe très bien, quoi. Comme c'est quelqu'un qui...
qui essaye de savoir un petit peu comment ça marche et tout ça, ça aide. C'est pas quelqu'un qui est là, attend qu'on lui dise fais ça. Il essaie de savoir ce qu'il faut faire, donc on lui explique un petit peu, toujours avec une feuille ou en lisant sur les lèvres, ça passe tout seul. On n'a jamais de problème de pièces ratées ou de choses comme ça. Si j'avais une personne non sourde et une personne malentendante, je ne choisirais pas en fonction de ce critère-là, quoi. Je l'engagerais en fonction des compétences. Et si c'est la personne sourde qui en a le plus, maintenant, elles sont égales, quoi. Il n'y a plus de différence entre une personne sourde ou non sourde. Elles sont égales pour moi. Je fais du bon travail dans l'entreprise. Même si les entendants ont peur d'engager des sourds, les sourds doivent y aller et ne pas avoir peur de franchir les obstacles parce qu'ils ont des compétences égales à celles des entendants. Et cela n'a rien à voir avec le fait de parler et d'entendre. Quand il est question de travail, manuellement et intellectuellement, sourds et entendants sont sur pied d'égalité. On manque de personnel parce qu'on veut faire des doublons. Vous voyez ? Donc, puis il y a des personnes qui vont vouloir partir, alors on remplace, quoi. On essaye de former des gens. Donc voilà, si vous avez des bons comme Tony, pensez à moi.